Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile version coréenne sur mon compte principal. Et on va faire un petit tour de compte après un peu plus de 3 mois de jeu, les amis. Nous sommes le 30, le jeu est sorti le 25 mai, si je ne dis pas de bêtises. Et voici un peu ce que vaut mon compte après tout ce temps passé. Et on va dire que dans son ensemble, c'est correct, mais c'est correct moins, pas correct plus. Parce que j'ai fait 2-3 petites erreurs au début, parce que j'avais oublié concernant les doublons universels et tout, les doublons uniques et les doublons universels. Et derrière, j'avais eu du mal justement à drop les équipements. Pourtant, j'en fais tous les jours. Hein. Et même là, avec le système x3 plus la bouffe à côté et tout, malheureusement, j'ai toujours du mal. Dans tout cas, on va faire un petit tour dans la box pour voir un peu mes personnages, mes cartes, enfin mes grimoires, le nombre de doublons sur mes cartes également. Et vous allez voir par vous-même que ça va dans son ensemble concernant le drop. Alors, on a au total 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Et là, plus 4, ça fait du coup 30, ok? 30, ça va. Donc, c'est plus qu'au correct. Même s'il y a des fois où je m'étais fait un peu shaft, mais dans son ensemble, c'est correct. Ah, je suis toujours entre une et deux pitiés pour chaque portail. À l'exception de Kyato et Kaono où j'ai fait qu'une seule pitié. Enfin, la moitié d'une pitié. Et du coup, cette fois-ci, on va aller voir notre petite box de personnages. Alors, j'ai Noël 5 étoiles. J'ai Rades 0, Julius 0, enfin Julius 5, Assa saisonnier, bon, Assa saisonnier V2, pas ouf, 0 également avec sa carte, mais le perso n'est vraiment pas incroyable. Derrière, on enchaîne avec Mars, ouais, 43 000 de puissance, c'est normal, je crois que je l'ai déséquipé pour le mettre sur, ouais, je l'ai déséquipé, j'ai mis un truc aléatoire pour justement le mettre sur ADS pour tester un truc, mais ça n'a pas trop fonctionné. Après, j'ai Sally que je peux monter une étoile. Ainsi de suite. Le reste, niveau 100, c'est là où j'ai commencé. Bon, j'ai toujours pas up le reste parce qu'il faut que j'économise les ressources pour les prochains persos. Et j'espère drop un maximum de persos saisonniers pour justement rentabiliser les pierres universelles. Pour les doublons et pour justement garder pour des gros persos comme Mère Eleona ou Veto V2 ou Asta Dueler. Double épée ou sinon Dueler. Et j'espère vraiment qu'on ne sera pas déçu des stats du nouveau Asta qui sortira d'ici un mois voire un mois et demi. Et n'oublions pas que dans 3 mois nous allons avoir le semi-anniversaire du jeu. Le demi-anniversaire du jeu. Voilà ce que ça donne un peu pour la totalité de ma team. De ma box et tout, c'est correct, c'est cool. Après, on va aller dans les ressources. D'ailleurs, il y a le nouveau Battle Pass qui va pas tarder à arriver, qui va arriver du coup demain. Enfin, je dis demain, mais non. Pour moi, ça sera demain. Et pour vous, ça sera au moment où la vidéo sera postée du coup. On achète un peu tout ça, un peu de blabla. Je sais que c'est un peu énervant en fait, ce qui est le peu de contenu qu'on a en ce moment. Mais d'un côté, c'est positif parce que ça vous permet de farm vraiment et de vous focus sur les équipements, même si c'est énervant. Vous êtes obligé. Vous voyez pas la différence entre le avant et après, mais un stuff bien augmenté avec les bonnes stats et les bonnes substats, ça fait toute la diff. En parlant d'équipement,
On va aller voir ça ensemble. Voilà. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf ce que j'ai, hein. Et pourtant, je fais mon maximum pour justement drop. Pour essayer de drop du LR en super LR, quoi. Malheureusement, j'ai pas des trucs ouf. Enfin, malheureusement, non. Que je drop, généralement, j'arrive à avoir des bonnes stats et des bonnes substats. Mais le reste. Ça part pas à la poubelle parce que j'en ai besoin pour les futurs persos ou pour les persos que je suis en train de monter à l'heure actuelle. Mais voilà. Alors là, voilà, j'ai quasiment tout ça. Vous voyez par vous-même que j'invoque énormément, hein. Vous voyez ici. Après là, j'ai pas mal de ressources. Là, j'ai presque plus. Faudrait que j'aille acheter tout ça, mais j'en ai presque plus. En termes de potions, je suis pas mal. Je suis pas mal. Et ouais, 260, faudrait que je reforme, on sait jamais. Également pour ce qui est amélioration d'accessoires et d'enchantements, d'équipements, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis en train de stack ça un peu. Et je vous prépare une petite surprise aussi. Concernant ça. J'en ai 38. En train de les stack. Et on va faire quelque chose de grand. On va essayer de faire quelque chose de grand pour une bonne vidéo. Je sais pas quand est-ce que je vais la faire, mais j'essaie de monter entre 60 et 100. On verra ce que ça va donner. Bon, là, pour ces ressources-là, c'est un peu plus dur. Enfin, pour tout ce qui est affinité, le reste, bon, ça monte petit à petit, c'est tranquille. Et voilà. Maintenant, on va aller dans la boutique. La boutique, elle part dans quelques peu de temps. On va acheter ça. Ça peut toujours servir et ça va servir. Ça aussi, je peux acheter. Et je pense que je vais acheter ça. Voilà. Et après le reste, ça, je peux. C'est bon. Bon, ça, je prends pas forcément des doublons sur qui je vais. Ouais, sur Radès et Lutus, mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Et pour terminer, là, je suis en train de spam un peu ça, là. On va faire un petit combat. On va faire un petit combat tranquillement. Et en même temps, je vous fais un petit résumé de ce que je pense du jeu à l'heure actuelle. Je parle bien sûr de la version coréenne et japonaise. Et au vu de ce qu'on aura prochainement. Pour ça que je passe celui-là. Premièrement, je suis hype pour ce qu'on aura d'ici fin octobre. Même si c'est long. Je trouve ça même très long de leur part qu'ils mettent tout ça en place. Et le CEO, Joe Chiang, excusez-moi si j'écorche son blaze. Son prénom, mais même lui, il est au courant du, en fait, des mauvaises nouvelles et des mauvais choix qu'ils ont apportés au jeu depuis le début. Il est au courant et concrètement, je pense que plus on avance et plus ils vont sur la bonne voie. Ils ralentissent un peu le rythme des portails et tout. Par exemple, si demain ils décident de partir sur un rythme à la DB Legend. Si demain ils décident de partir sur un rythme à la DB Légende, ce qui se passera, c'est que déjà ils vont avoir plus de. Ils vont certes générer plus de sous, mais le truc, c'est qu'on ne pourra pas suivre la cadence. C'est pour ça, c'est ce qui rend en fait le jeu vraiment friendly. Et ça, on prend. Ça, on prend. Bon, j'ai oublié de changer l'ordre des sœurs de canaux. Mais voilà, c'est en fait ça selon moi, je trouve positif et qui rend le jeu un peu friendly. Ça ne veut pas dire que le jeu ne génère pas de l'argent. Le jeu génère de l'argent. Il génère entre 1,8 million et 2,5 millions par mois. Ça reste positif. Même si c'est pas assez, on espérait entre 5 et 10 millions pour les premiers mois. En fin de compte, ils les ont pas atteints. Mais ça va. Concernant le contenu, il est un peu lent. On n'a pas assez
de contenu, que ce soit pour le JVE, pour le guild, pour la guild et tout. On sait que ça va arriver plus tard, le boss de guild, la coop aussi. Le vrai PVP en temps réel va sûrement être implémenté d'ici fin octobre, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, parce que on va être hype. Le JVE, lui, sera implanté d'ici fin septembre, voire début octobre, s'il n'y a pas de retard sur les futurs mages qui vont arriver. Et ainsi de suite, on verra comment ils vont apporter tout ça au fur et à mesure du temps. Mais on reste positif, on reste optimiste plutôt, on reste dans la positivité. Et voilà, ça sera tout. Je vous ai montré un peu mon compte, ce que regroupe le compte, les personnages, les cartes. Ce que je vous ai pas montré, c'est surtout l'arbre de talent, parce que généralement, je m'occupe de leur stat principale, par exemple. Pour les supports et le reste, je vais essayer d'augmenter leur défense, leur blocage, leur vie, et également s'il y a des bonus de vitesse supplémentaire, je le fais. De vitesse de stamina, j'augmente. Imaginons que ce soit pour des attaquants, ben je vais augmenter leur critique, leurs dégâts principaux également, etc., etc. Et ainsi de suite pour les tanks. Eux, je vais augmenter leur blocage, leur défense face aux critiques, etc., etc. Et sur ce, on se quitte sur ça, les amis. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace!